ça filme. Je sais pas si on va le garder en fait. La teinture de ce noir, elle est parfaitement réussie. C'est quoi cette maison hantée là? C'est pas une maison hantée, c'est... C'est le gars qui a... construit en Espagne, il est passé aussi par ici par moment pour s'amuser. Alors on retrouve ce genre de... C'est un Picasso? Oh, je sais même plus, je suis pas très bon. Mais non. Ça vaut le détour hein, quand même. Hein. Mais regarde-moi cet hôtel. Regarde ce taudi. Bon, alors ici, comme pour satisfaire mon ego démesuré, bien entendu, c'est très très connu. Je me mets en patron dedans cette chambre d'hôtel. Je place mon ordinateur afin de travailler. Ok. Messire, puis-je vous divertir? Puis-je faire quelque chose pour votre service? Avec grand plaisir, balancez-vous sur cette balançoire. Tel un âne haletant. Cela suffit-il à votre plaisance? Vous êtes beaucoup trop lent, mon ami. Vous êtes beaucoup trop lent. Ah, je donne plus de ferveur, plus de ferveur. Non, attendez, attendez, je crois qu'il a un peu de la peine. Regardez. Quand on aime son patron, c'est comme ça que ça se passe. Allez-y, messire, plus vite, plus vite. Regardez le balcon. Ouais. Ça se oh purée. Je t'aime aussi! Oh là là! Je t'aime aussi! J'arrive! Oh oui, oui! When you're a stranger! Ouh la 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 la! Aroua! Hey, je crois que. Voir le chasseral? Le chasseral, je crois pas. C'est joli. Alors, ici, on arrive à... On devrait réussir à voir le chasseral, là, derrière, ou bien... Tout à fait. Ouais. Ouais. Il est juste là, en fait. Mais il est derrière la maison, là. Ouais, et puis ouais. Bien. Donc, c'est cool, on est très fort en géographie. On va manger les macaronis de montagne. On va aller manger les momagnes. Oui, trop bien. Chers amis, bienvenue. Je suis prêt pour mon plan. Chers... Ça va être pour le making of quoi. Non mais je vais faire l'autre comme il est aussi. Je suis Pierrot le lustre. Pierrot le lustre. Je suis un lustre et je tourne sur moi-même. Je suis un lustre. Je suis un bienvenue ici du quartier général des Silver Dust qui s'est établi provisoirement ici à Bratislava. Vous venez de faire connaissance de Pierrot le Lustre qui est absolument somptueux. Oui, alors on amène un peu notre art ici à Bratislava. Bon, il éclaire pas beaucoup. Ah, c'est pas une lumière. En fait,
Donc c'est amusé tout cet après-midi, comme vous pouvez le voir, avec ces magnifiques tableaux, à redécorer la chambre dans laquelle nous travaillons. C'est vrai que c'est un goût assez particulier, on va dire. Moi, tout de même pas ma peinture. Regarde celle-là, je l'ai appelée « Feuille d'automne en pays scandinave ». Voilà. Donc, lui travaille plus parce qu'il a bossé toute la journée pour faire tout ça. Mais nous, on travaille par contre. Et puis, on travaille parce qu'on a quelque chose d'assez génial qui va se produire aux Z7 à Pratton. Et tout le temps, c'est incroyable. Et je viens de tomber sur un mail qui me fait super plaisir. C'est un mail du journal La Joie. Je vais vous montrer qu'un super bel article. Si voilà, un très très bel article. Avec Silverdust met le feu à l'Europe et ça fait super plaisir. Merci beaucoup le journal La Joie, merci beaucoup Sébastien Fasnacht et toute son équipe. Et moi, je vous recommande vivement de vous abonner à ce journal parce qu'il est assez fantastique. On parle de tout le monde dans notre belle La Joie et je trouve que c'est important de garder les choses importantes dont les racines et ça, c'en est une très forte. Donc abonnez-vous à La Joie, c'est vraiment, vraiment un super journal. Merci. Tiny, je t'explique. On est en train de jouer en réseau à Mario Kart. Et je me sens un petit peu seul en première position. Une crotale. What else? Deuxième, très très bien. Et lui, cinquième. Je me suis fait bouffer la quatrième place à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Et c'est comme ça. Hein. C'est vraiment un jeu de pain frais. C'est le genre de jeu qui brise les amitiés, donc... Oui, la nôtre, elle est bien entamée, Sébastien.